Bonjour à tous, nous nous trouvons ici donc au tribunal de Bordeaux. Nous sommes donc ici parce qu'on a décroché les portraits du président Macron. On décroche les portraits de Macron tout simplement parce que, bien évidemment, sa politique en termes d'écologie n'est absolument pas au rendez-vous aujourd'hui. Il suffit de voir par exemple ce qu'il fait au Mont Blanc, enfin avec des discours, comment on réintroduit aussi donc l'utilisation de l'huile de palme alors que ça a été voté à l'Assemblée comme quoi il fallait les interdire, ça revient par la petite fenêtre au mois de décembre pour les autoriser, donc Total est content. On peut voir aussi donc les décisions qui sont faites au niveau de la Guyane. Le portrait de Macron, eh bien, c'est un peu la symbolique de son inaction en termes de climat. Le portrait de Macron, eh bien, en fin de compte, ce portrait, c'est un vrai faux portrait. Ce n'est pas le portrait de Macron, c'est un vrai faux portrait, tout simplement comme sa politique. Ce n'est que de l'illusion. Il n'y a absolument aucun moyen, il n'y a absolument aucune volonté de faire les choses. On annonce, mais ça a l'air du vrai. Ça a l'air, hein, comme le portrait, vous pouvez le voir, ça a l'air du vrai, mais c'est que du faux. Eh bien, on la symbolise avec ce portrait, qui est un vrai faux portrait, qui est égal à la vraie fausse politique écologique du président Macron. Merci à vous. Le 20 décembre, nous avons donc été reconnus coupables avec ajournement de peine. On devait nous prononcer notre peine aujourd'hui si nous ne rendions pas les portraits. Il a été donc décidé aujourd'hui un renvoi au 25 septembre. Donc vous pouvez noter la date, on sera ici le 25 septembre à 14h. Mais qui est un renvoi sur ce qu'on devait avoir aujourd'hui, à savoir la peine. Entre-temps, nous avons collectivement décidé de faire appel de la décision de culpabilité. Donc du coup, on devrait être convoqué en appel. En toute logique, avant le 25 septembre, et là on attend la date. Et si jamais on devait être relaxé pendant cet appel, le 25 septembre serait annulé. Et si nous sommes condamnés, nous serons là en plus le 25 septembre pour attendre notre peine. On tient aussi également à souligner, puisque cette ambiance qui règne dans le tribunal et les nombreux renvois qui ont eu lieu sont aussi du fait de la grève des avocats et avocates avec lesquels nous sommes en total soutien. Et nous tenons à saluer nos deux avocates, Maître Berrier et Maître Noël, qui sont en lutte actuellement depuis plusieurs semaines, comme beaucoup d'entre nous, sur le combat contre la réforme des retraites. Donc on est aussi dans ce cadre-là, et comme on a eu l'occasion de le redire le 20 décembre, sur vraiment une solidarité avec les autres luttes, on est beaucoup à s'impliquer sur les manifestations sur les retraites, on est solidaire des avocats et avocates également. Et donc du coup, voilà, on tenait aussi à souligner ça, puisque les deux avocates qui étaient là étaient en grève et sont venues pour leur renvoi avec leur badge d'avocate gréviste, et on tenait à saluer leur geste à nos côtés et à continuer à les soutenir. Que notre action, elle est légitime et que c'est le droit qui doit évoluer et intégrer l'état de nécessité et l'urgence climatique pour qu'on puisse mener nos luttes, et ça doit être un levier d'action pour arriver à changer les choses. On se sent quand même porté par le soutien du collectif, le soutien des autres organisations qui viennent à chaque fois aussi, parce qu'effectivement, comme Elisa l'a dit, c'est long, c'est usant. On est certains et certaines à s'être impliqués sur d'autres actions aussi qui comportent d'autres risques juridiques. Et cette action-là, on l'a quand même réalisée en mai dernier. Donc là, on en est avec cette date du 25 septembre, à plus d'un an après l'action. Donc effectivement, ça nécessite beaucoup de force, de patience, de persévérance. Mais ça a été aussi l'occasion assez merveilleuse de créer des rencontres dans ce collectif et de se renforcer entre nous sur les convictions de légitimité de notre action, comme le disait Elisa. Donc on a encore vraiment besoin de soutien pour sortir de ces épreuves, mais on est toujours aussi déterminés, notamment grâce à cette mobilisation.